Salut à tous, c'est Vinsky, parce que mon équipe est pas très forte et que je prends des branlées. Chaque fois que je joue, j'ai envie d'ouvrir des packs. Et on va ouvrir les OTW. Il me reste 5h33. J'ai des points FIFA. Let's go pour ouvrir ces packs. Premier pack, la plupart du temps ce sont des joueurs de merde. Comme un Roumain, enfin sans vouloir manquer de respect au Roumain, Radu, ouais bon ça qu'il est vieux. C'était un bon joueur, mais maintenant il est très vieux et il faut qu'il prenne sa retraite maintenant au bout d'un moment. Espagnol, gardien. Pas mal, Kepa. Kepa. Brésilien, MDC. C'est Gustavo, alors déjà faites mise à jour au niveau des cheveux quoi. Ah putain, je suis prêt pour prendre pour un putain. Quoi ? Varane ? Varane ! Raphaël Varane ! Alors je sais pas combien il vaut, on va regarder. Ah je suis content de fou là ! Raphaël Varane, peut-être le futur Ballon d'Or, qui sait ? Ah oui, Raphaël Varane mon pote ! Ah ouais, ah il vaut très très cher ! Tu m'étonnes, c'est Raphaël Varane ! Champion du monde, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe, du Real Madrid, de l'équipe de France. Ça fait vraiment ultra plaisir ça par contre. Yes putain, yes ! Français quoi, c'est parfait, j'aime pas le vendre. Je vais le garder mon pote. Je vais me faire un kiff, j'ai acheté Ribéry. Fekir vaut très 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 cher. Je commence à avoir une très 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 bonne équipe là. Là à chaque poste t'as des joueurs qui peuvent faire la différence. Ils vont arriver, on percute, allez c'est parti. Là on rigole plus, on rappelle un road to Mbappé. Un road to Mbappé mon pote. Allez gars on se réveille parce qu'en ce moment je suis pas bon. Forcément j'ai pas une bonne équipe, là c'est bon j'ai une bonne équipe. Y'a plus d'excuses, et oui je suis taré. Peut-être, mais je fais cohabiter Giroud et Benzema en attaque, enfin cohabiter, j'essaye de faire cohabiter. En tout cas, il y a un départ là-bas de Ribéry. Ribéry le centre à tête en Fekir. Ça avait été Giroud, il y avait but. Et Giroud. Ah, dommage. Oh, putain, Benzema, c'est trop gentil. Hein. La petite balle pour Giroud. Bakayoko. C'est quoi ce gardien? C'est qui? Même quand j'ai de la chance, j'ai pas de chance. Attendez, mais non, mais c'est pas possible là. Mais what the fuck? On loupe tout, les gars! On loupe tout! Putain, Raphaël, franchement, merci. Merci d'avoir apparu dans ce putain de pack. C'est un jeu magnifique. Ouais. C'est pas possible! J'ai cru que ça allait pas rentrer. Et voilà, c'est la délivrance. Benzema qui met le doublé. Fin du match, victoire, c'est mérité. C'est pas possible, j'ai eu 50 000 actions. 22 frappes, 12 cadrés, 2 buts. Est-ce que Varane, c'est la garantie de rester invaincu quoi? Possible, hein, on sait pas. Je pense que Benzema Giroud ensemble, ça c'est pas foufou parce que Benzema ni Giroud est rapide. Par contre, De Frel, c'est pas mal. C'est plus complémentaire déjà, ça fait plaisir. Oh là là, Varane, il est partout, c'est un truc de dingue. Oh le poteau! Allez Benzema! Allez Karim! T'as résisté! Et oui Karim! Bien joué! Bien joué! Oui Ndongi! Doublé! Enfin doublé, deuxième but! Je sais pas, j'ai l'impression que depuis qu'on a Raphaël, tout le monde est beaucoup plus serein, tu vois, défense, attaque et tout, tout le monde est là, tout le monde est impliqué quoi! Oh là là, Benzema qui se joue du gardien, il se dit tiens toi je vais t'humilier, viens là, je m'arrête, je reviens en arrière, frappe dans le but vide, magnifique but de Karim Benzema qui fait vraiment un bon début avec le club et ça fait toujours très très plaisir, surtout supporter, parce qu'ils se disent ok on a un mec qui peut planter un peu à n'importe quel moment, je pense que ça va être vraiment notre attaquant un petit peu vedette. Et le 4-0, but de Nabil Fekir, pied gauche, poteau rentrant, il pleut des buts ici. Inévitable, c'est carton. Carton rouge. Ah ouais, carton rouge pour Manuel Lanzini. Je sais pas s'il y a carton rouge. Hein. C'est double peine un peu. Hein. Oh, c'est la lucarne de Karim Benzema. Ok. Ça rage quitte, c'est normal. Tout à fait normal. On va continuer de leur montrer c'est quoi. Ok. Allez, let's go. Alors ça, je ne cautionne pas ce putain de but. Hors du pied comme ça sans contrôle, une chance infime que ça rentre et bah quoi, c'est quoi, devine, bah ça rentre. Ah le bat. Quand tu n'appuies sur aucun bouton, c'est que tu ne veux pas faire des choses comme ça. Je ne veux pas faire quelque chose comme ça. Raphaël ne veut pas. Quel...
Allez, c'est ma chance, c'est ma chance. Mais putain, Karim! Et légalisation juste avant la mi-temps! 2 minutes additionnelles, 41 minutes, oui, on est comme ça, on cheat. On perd pas avec Raphaël. Depuis qu'on a Raphaël Varane, on ne perdra plus. Et le but de Florian Thauvin! Florian Thauvin! On ne perd plus! Eh ouais, mon pote, c'est un 2-1. Et on remporte pour l'instant le match, même si on est encore très très loin de la fin du match et du coup de sifflet final. Voilà, franchement, il est impressionnant, Raphaël Varane. Impressionnant de sérénité, un peu comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Et oui! Le but de Coman! Allez, on tire maintenant. On va me chercher peut-être le quatrième but avec cette action qui peut être bien emmenée. Oh. Oula, il a plus de course là, ils ont dit non. Merci, bien joué. Je vous dis, depuis qu'on a Raphaël Varane, on ne perd plus. Voilà les gars, vous l'avez vu, preuve à l'appui, Raphaël Varane est le futur Ballon d'Or. Vous avez vu comment il est trop fort? Il arrive dans l'équipe, on ne perd plus. On ne craint plus personne mon pote. Je suis super content de l'avoir, franchement, 200 000 crédits environ. C'est cool d'avoir un joueur aussi talentueux, en plus peut-être futur Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'il va être Ballon d'Or ou si vous pensez qu'il ne le mérite pas. On rappelle, un champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Du coup, je vous dis à très vite, c'était Vince Sky, peace and game. J'essaie de faire des trucs avec mes mains, mais je sais pas comment je pourrais faire. Peace and game.